Pardon, si j'avais pu prévoir si c'était une femme qui... Je serais très bien ici. Je suis conçu de cette chambre. J'ai connu tant de chambres. Oui, n'est-ce pas? Nous avons tellement voyagé, mon père et moi, que je devine du premier coup d'œil si je vivrais à l'aise parmi des meubles qui me sont étrangers. Oui. Voulez-vous me permettre? Oh, oui, je vous en prie. Excusez-moi. Enfin, je suis heureux de voir que vous ne vous formalisez pas de cette médiocrité, par en fait. Une princesse, Irénaïev, apporte là où elle est le luxe dont elle a besoin. Oui, bien sûr. Non, 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 c'est un vieux, c'est un très vieux manteau. Ah. Seulement, n'est-ce pas, pour le voyage? Oui, alors bien sûr, pour le voyage. Et bien, je vais mettre un peu d'ordre dans ma toilette en attendant mes bagages. Oui, en attendant les bagages. Le voyage a été terriblement fatigant. Ah oui? Enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut, oui? Oui, oui, merci. Bon, enfin, si vous manque quelque chose, la moindre des choses, les domestiques et moi-même... Oui, je sais. J'espère que tout ira très bien. Évidemment, la vie n'est pas sensationnelle. Monsieur Forestier, voulez-vous me laisser seul? Vous laisser seul? Ah oui, naturellement. Forestier! Forestier! C'est justement monsieur votre père qui m'appelle. Voilà, alors je vous laisse seul. Forestier, cher ami, par Saint-Alexis, mais où êtes-vous donc? Mais bref, me voilà, je veillais à l'installation de mademoiselle Irénaïev. La princesse, cher ami, dites la princesse. Je vous n'allez pas plus difficile et c'est tellement plus correct. Je vous demande. Est-elle satisfaite, la chère enfant? Elle n'a pas l'air mécontente. Attention, vous le permettez, prince, je vais m'occuper de vous. Inutile. Je me suis installé. Ah. J'ai choisi une chambre au hasard, la dernière à droite au bout de la véranda. J'y fais monter mes bagages. Dites-moi, mon cher, quelles sont les heures des repas ici? Mais à votre gré, prince, et au gré de mademoiselle... Pardon, de la princesse. Vous espérez que vous avez tout ce qu'il vous faut? Tout ce qu'il faut, c'est beaucoup dire. Il manque évidemment beaucoup de choses. Voulez-vous un exemple? Je vous en prie. Par ces temps froids, quand un voyageur arrivait chez nous, un serviteur l'attendait au débotté avec une bouteille de vodka. En traversant la piste tout à l'heure, j'ai bien trouvé une bouteille de rhum, d'assez bonne marque, ma foi, mais elle était vide. Ou tout comme... Oh, je suis impardonnable, prince. Je vais faire le nécessaire pour... Je vous prie de m'attendre quelques instants ici. Voilà qui est parlé, je vous accompagne. Non, mais pas du tout, non. Non, mais vous empêchez la moitié des choses, oui. Tu sens la cave. Tenez, pardon. Faites attention. Oh, mais qu'est-ce ceci? Du champagne, Baraldon? Oh, à peine quelques bouteilles. Quelques bouteilles? 4-5 rangées. Combien de bouteilles qu'elle a rangées? 8 et 8, 16 et 8, 24 et 8, 32, 32 bouteilles. Dieu est bon, dans louange à lui seul. Alors, montons quelques bouteilles. Oui, un moment, mais qu'est-ce que j'aperçois là dans ce coin? Ah, par les saints apôtres syriens, méthode, mais ce sont d'adorables flacons de Porto. Eh oui. Et voilà du cognac. Du cognac, mais c'est un véritable trésor que vous possédez là. Un trésor, restez ami de mon cœur, vous allez me promettre de... De ne jamais laisser pénétrer ici qui que ce soit. Il n'y a qu'une clé et je la porte toujours sur moi. Alors, bravo, je prends 2-3 bouteilles de champagne. Ouais. Allez, 3, 4. 4, n'en parlons plus, pas une de plus. Rien ne livre l'âme comme le bon vin. Et vous allez connaître celle d'Efrem Fedorovitch Irénaïev, Ataman de Podoli, commandeur de l'ordre de Saint-Olga. Oh là. J'y ajoute 2 bouteilles de Porto et 1 de cognac. Une de cognac à ouvrir, ça sert à passer un bout de filet avec. Allez. Mon fils, surtout n'oubliez pas de fermer la porte. L'heure est venue de boire à ceux qui nous ont fait ce que nous sommes. Les principes, amis forestiers, rappelez-vous toujours, ne jamais oubliez les principes. Debout! Je bois au tsar. Romanov, que Dieu garde.
Que vois-je? Est-ce prémédité? Non. Je vous demande, monsieur Forestier, si l'affront est prémédité. L'affront? Quel affront? Tu entends l'armide? Le général prince Irénieux, lève son verre à la santé du tsar et monsieur Forestier, qui refuse de boire. Général, demande où il y a affront. Vous n'avez pas pu. Vous entendez ma fille, monsieur? Mais je vous demande pardon, je ne bois pas. Quoi? Je ne bois pas. Croyez-vous, monsieur, qu'Ephraim Fedorovitch Irénieff a recueilli le dernier soupir du prince Bagration à la Moscova, fait le maréchal de MacMahon prisonnier à Sébastopol, perdu une main en Crimée, pour s'entendre moquer